on en a encore besoin. Et surtout, jamais, ouais, et surtout on ne l'a jamais entendu, ça sera la première fois qu'on porte cette histoire à l'écran. Ça fait partie de notre histoire aussi, l'histoire de la France. Et puis je pense que c'est une histoire universelle pour tout le monde. Et c'est un bon avant pour la jeunesse aussi. Voilà, pour se réveiller un peu plus. Il faut se réapproprier son histoire pour aller de l'avant. Étonné, oui, et à la fois pas tant que ça, parce que je pense que ça fait partie aussi de leur politique là, de défendre des vrais sujets qui sont importants aussi. Oui, il y a certaines thématiques de la justice, tout ça, qui sont défendues en général, même dans les dessins animés, quoi. Alors moi je suis Mohamed Oussekine, l'aîné de la famille. Et moi je suis Fatna Oussekine, encore plus aîné que lui. Voilà. La grosse sœur. Moi c'est Ben Amar Oussekine, je suis le troisième aîné. Voilà. Ouais, on a eu cette chance-là. D'ailleurs, je pense qu'on n'aurait pas pu faire le film si on n'avait pas eu leur accord et l'aval de la famille. Ce qui nous a rassurés aussi sur le fait qu'on pouvait y aller tranquillement et sereinement. C'est ça, et c'est surtout, c'est vrai que c'est l'histoire d'une famille qui n'a pas été entendue, qui a été utilisée. Et en fait, c'est rassurant de se dire qu'on est en train de faire quelque chose sur leur histoire. Et c'était bien justement de leur donner du coup, la parole. Et on les remercie toujours du cœur d'avoir donné cette confiance.